Bonjour à tous. Aujourd'hui, pas de cours à proprement parler. En fait, j'aimerais qu'on finisse une bonne fois pour toutes la séquence sur le graffiti, donc sur les lettrages plus exactement. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de soit de finir, soit de refaire, ok? Donc un lettrage, donc un mot en style graphe, d'accord? On a tous vu ensemble, on a déjà travaillé dessus au moins 2 fois en classe. Donc, je pense que vous êtes OK pour le faire. Pensez bien au fond, pensez bien à ce que les lettres soient bien les unes dans les autres, en tout cas proches des autres, que ça fasse un tout, d'accord? Il faut vraiment que ça fasse un bloc, OK? Comme si on pouvait mettre un sticker comme ça, d'accord? Donc, voilà, en gros, vous savez ce qu'il y a à faire, en couleur si possible. Si c'est en noir et blanc, il faut vraiment que ce soit très, 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 très bien travaillé. Donc voilà. Quand vous avez fini, vous mettez vos travaux sur le lien Drive qui est sur le Padlet. Et voilà. À vous de jouer. Ah oui, j'oubliais. Je vais vous mettre des liens donc sur le Padlet. Je vais vous mettre quelques liens pour aller voir un petit peu ce qui se fait, les différents styles, etc. N'hésitez pas à chercher. Il y a vraiment des milliers et des milliers de graffitis, même des dessins de graphes. Ok, il y a des milliers sur Internet. Donc n'hésitez pas à chercher, à vous inspirer d'un style. Par contre, ne recopiez pas un lettrage, d'accord? J'aimerais bien que vous écriviez soit votre nom, soit un truc qui vous est personnel. Ne recopiez pas un lettrage déjà existant, ça sert à rien. Voilà, sur ce, je vous laisse. À bientôt.